Et début de la rencontre dans quelques instants. Le premier échange va débuter. On rappelle, premier set pour remporter un set, 25 points avec 2 points d'écart. Et la réception de Kevin Tilly tout de suite, ce sera pour Jean-Patry. C'est bien défendu côté canadien. Ouais, la connexion tout de suite hein, entre Rizard et Patry, c'est bien défendu. Ça va revenir là-bas. Ouais, pour Steven Marr. Oh, Steven Marr, la puissance, la réception n'est pas possible. La défense, bien que présent sur ce point-là, Kevin Tilly, c'est dehors. Premier point pour les Canadiens et tout de suite, la puissance de Steven Marr. Et ça n'a pas réussi. Ouais, le service surpuissant sur Kevin Tilly. Rizard là-bas pour Nicolas Le Goff. Qui termine ce set 25-18, l'équipe de France mène 1-0. Pour vraiment récupérer un maximum de données sur l'équipe canadienne. Et le premier blocage trouvé par monsieur Eric Klopke, le numéro 80. Allez, ça va les lancer dans cette deuxième manche, dans l'espoir hein, d'égaliser un set partout au milieu du terrain, c'est certain. Hogg. Superbe réception, c'est tenu. On va retrouver là-bas Trevor Klevno qui enroule et c'est dévié par le bloc. L'équipe de France remporte ce deuxième set, 25-18. Pour l'instant, pas de changement de passeur. On n'a pas l'entrée de Brett Walsh pour le moment. Et on a vu Benjamin Diaz qui a fait son entrée côté français. Est-ce qu'il ne se change pas pour le moment? C'est Jean-Patry, toujours aussi efficace à l'attaque, bien sûr. C'est lui qui sera auteur du premier point français de ce troisième set. Alors, est-ce que le capitaine pourra mettre en danger la réception de ces Français qui sont si bien depuis le début, sans souci pour Ben Diaz? Brizard là-bas pour Jean-Patry. 25-23 pour l'équipe de France, ça fait 3-0. Mais restez bien sur les antennes de Sport en France, puisque ça continue, on l'a dit déjà, 5-7 ce soir seront joués. Allez, c'est reparti avec Erwin Gapet au service. Ah, dans le filet. Ouais, ça commence pas de la meilleure des manières pour... Erwin Gapet et l'équipe de France, 1-0 pour le Canada. Avec Yacine Louati. Et Louati. Ah, il l'a touché. Exceptionnel. Il l'a touché. La cible a été atteinte. Réussite complète pour ce service de Yacine Louati. Ça fait 4-0. Avec le capitaine Hogg au service. Et la petite roulette. Ce sera pour Théophore. On ne pourra pas défendre ce ballon qui a été freiné par le bloc canadien. Et un premier point français avec Benjamin Tognutti, le capitaine, qu'on va retrouver au service maintenant. Ça doit être ma carrière en régional pré-national, ça fait un enfer, aucun doute. Allez, Tilly. Oh, il s'est fait. Quelle défense de Benjamin Tilly. France est derrière, on va trouver le point. Kevin Tilly, là, qui a voulu jouer la feinte et il s'est fait attraper par le bloc canadien. Mais quel réflexe de Benjamin Diaz. Et ça fait 15-9, fin de ce cinquième et dernier set. L'équipe de France qui a remporté toutes les manches ce soir. 5-0, le Canada sera sur la route des tricolores une nouvelle fois. Ce sera aux Jeux Olympiques le 30 juillet prochain. Et bien, premier enseignement, les Français sont en forme.